Pourquoi être désolé? Pourquoi? Quelle fut la raison pour laquelle vous m'aimez? Alors que je me présentais à vous tel un être détestable, meurtrier fini, violent toute gloire, portant mon regard sur les femmes, de l'enfer et des flammes, brûlantes jusqu'à en perdre l'âme. Doigts fumants. Détruire le peu de bonté ou de miséricorde de l'enfant que j'ai tué et que je ne suis plus. Le chat égorgé, le chien n'aboie plus cet apaisant silence. Qui joue cette mauvaise pièce sans tirade et semblant d'espoir. Pourquoi m'aimes-tu? Toi la fille, serais-je ton amant? Ou alors ton fils que tu refuses de perdre? Ne vois-tu point mes cicatrices et mes blessures éternelles? Je ne mérite aucune pitié ni compassion. Ma pauvre mère, m'aurait-on pris pour ange, un monstre à qui l'on donne une place au paradis? Au paradis? Un homme trompant la confiance accordée? Je suis l'arbre qui n'a jamais eu de racines, perdu dans la forêt. Les branches asséchées, tendues vers un ciel d'orage mécanique. Sans jus. Je suis un clown, un pion. Fou. Sur l'échiquier livide, ma seule alternative censée creuser mon lit. Sans testament des lits ou des nids de ce qui me définit. Pas à construire quoi que ce soit. Famille, bonheur, bohème n'eurent jamais existé, ou seulement comme miroir de mon authenticité à tout détruire, les tiroirs, les réduire à l'état de mirage, de faux miracles, que dire de plus, d'illusions dilapidées telles une poignée de sable, retrouvant sa propre place parmi les dunes du désert. Le ciel m'accorda quelques pouvoirs, une poignée de dons qui n'ont fait qu'asseoir et empirer cette solitude qui me colle sang-dessus dessous et que je porte comme un vêtement de marque. J'ai traversé les époques, les amis, les foyers, pourtant heureux, quelque part, quelquefois, quelque chose, deux, trois roses écloses. Mais je restais fantôme, en fuite vers le temps et simplement témoin absent de ce qui, inexorablement, fut appelé à disparaître. Alors cessez enfin de me pardonner. Dès lors, la sanction tombée, à l'aube de ma prison, mon esprit en serait apaisé, voire ainsi même soulagé. C'est ce monde qui m'a pourtant édifié, construit avec les pierres gravées de l'histoire de ma naissance à l'événement de mon exécution.